Om Shanti, avec Om tes parents. Shanti, bienvenue à Vyakti Parivara. Aujourd'hui, c'est le jour 11. L'amour pour la solitude, la pratique de la concentration, le respect du souverain, c'est « Je suis un empereur libre de tout souci ». La solitude a deux significations, pas seulement la solitude extérieure, mais aussi être absorbé dans la profondeur de l'unique. La réflexion, ai-je remis toutes les responsabilités au Père? Qu'est-ce que le niveau sans souci? Le signe Ravyak, la solitude a deux significations, pas seulement la solitude extérieure, mais aussi être absorbé dans la profondeur de l'unique. Autrement, s'il n'y a que la solitude extérieure, vous risquez de tomber dans la « je ne sais pas comment je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette journée ». Restez absorbé dans la profondeur du Père. Lorsque vous allez au fond de l'océan, on y trouve de nombreux trésors. De la même manière, allez dans la profondeur de l'unique, c'est-à-dire devenez absorbé dans les acquisitions que vous avez reçues du Père. Écoutons maintenant Moïni Didi. La voici. Om Shanti. Om Shanti. Baba, hamara samman badhane ke liye. On augmente le respect de soi et nous dit beaucoup de. Il nous parle beaucoup de respect du soi, soi-même. Et on doit retrouver ce respect du soi. On doit devenir souverain du soi. Ainsi, on sera fort et on ne sera pas arrogant. On sera dans la fierté pure. Être dans, dans la souveraineté du soi, celui qui respecte. Le souverain en soi se stabilise aussi dans ce niveau. Et notre conscience et notre niveau est stable et ceux qui viennent devant nous, les situations qui viennent devant nous, expérimentent aussi cette souveraineté ou ce niveau que nous avons. Quand on est souverain, ce n'est pas seulement en soi, ou l'âme qui est souveraine. Ce sont toutes les âmes qui regardent cet être souverain qui aussi ressent cette souveraineté. Alors, ce n'est pas une question d'âge. Toutes les âmes doivent redevenir souveraines. Ces jours-ci, les souverains ont beaucoup de soucis, mais les empereurs à l'âge de l'âge d'or étaient complètement purs. Et à l'âge de confluence, il y a une grande différence en ce moment pour les royaumes et les empereurs et ceux de l'âge d'or. Entre autres, ils ont beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Alors, c'est très différent pour chacune des âmes. Parfois, c'est très difficile. On est très inquiet. D'autres, parfois, pour d'autres, sont très peu inquiets. Aujourd'hui, j'ai partagé avec quelqu'un, disait Moïni, que le drama est puissant et fixe et
et on progresse, chacun son rôle. Et Baba est toujours avec nous. Nous sommes des acteurs dans la grande pièce du drama et nous jouons nos rôles selon la connaissance et on joue nos rôles de façon exacte et précise avec Baba. On ne peut changer le rôle d'aucune âme. On peut avoir beaucoup de pensées, mais on ne peut pas changer le rôle des autres âmes. Et quand on a cette conscience qu'on est un acteur et qu'on doit jouer notre rôle, on doit avoir tout ce que l'on décide et tout ce que l'on fait doivent être basés sur les principes. Pourquoi dois-je penser autant? On ne doit pas penser aux autres, on doit penser à soi. Parce que ce sont des pensées, c'est une façon de s'inquiéter que de penser au rôle des autres. Alors, on ne doit pas s'inquiéter non plus, parce que parfois on le dit et parfois on ne se souvient pas. Alors, la personne avec qui elle parlait de toutes ces inquiétudes et toutes ces questions que l'on se pose quand on s'inquiète. Mais on doit toujours penser que tout ce qui se passera, quoi que ce soit, tout sera pour le mieux. Et on doit créer ce niveau en soi. Ainsi, on sera assis sur le trône de Baba et on sera aussi assis sur le trône de l'âme, sur le trône de l'âme qui est au centre du front. Alors, l'empereur peut gérer et peut aussi contrôler. Et nous sommes des souverains du soi. Et tous nos sens physiques doivent être sous notre autorité, sous notre discipline aussi. Et tous les principes et la discipline que Baba nous présente dans Shrimat, on doit suivre Shrimat et pour être sans souci, on doit expérimenter le rôle d'être un empereur. Et Baba veut que l'on pratique et on doit tous être en train de le faire déjà, dit Moïni. Et on doit toujours être fondu dans l'unique. On doit aller jusqu'au fond de l'océan. Et parce qu'il est toujours pur, Baba, on doit aller jusqu'aux profondeurs de l'océan de connaissance et sentir cet océan de pureté. Et c'est Baba qui est toujours pur. Oui, les âmes sont toujours pures, elles sont élevées. Mais Baba est complètement pur et complètement, uniquement pur, en fait. Et Baba est aussi le bienfaiteur. Bien, à chaque instant, il y a des bénéfices. Ainsi, si c'est ce que l'on pense, on n'aura pas des pensées. Il y a peut-être un peu de bénéfices dans ceci, il y en a peut-être un peu moins dans cela. Quand on dit drama, c'est un point final. Mais quand on parle du drama, on peut mettre un point final. Mais on ne sent pas nécessairement de légèreté quand on dit drama est parfait. Alors on dit drama est bénéfique. À ce moment-là, on peut se sentir léger parce qu'on prend un aspect de Baba et on va dans la profondeur de l'unique. Baba a aussi parlé aujourd'hui des acquisitions. Pensez, quelles sont les acquisitions que nous recevons dans cette vie? Mais quelles sont les acquisitions que nous recevons? Pensons-y. La confiance en soi augmente, le respect du soi augmente, on est en mesure d'expérimenter notre niveau éternel et immortel. Nous sommes
avec l'unique à l'âge de confluence et nous expérimentons à l'âge de confluence l'âge d'or. Pour expérimenter l'âge d'or, c'est aussi une acquisition quand on le fait à l'âge de confluence. Et quand on le fait, cette dernière naissance, celle qui est à l'âge de confluence, est tellement élevée. Et l'élément le plus important à l'âge de confluence, c'est tout le service. Avant, nous faisions du bénévolat, du service social. Maintenant, quelqu'un était... c'est un service aussi qui est nécessaire, le bénévolat. Mais libérer quelqu'un de la peine, pourquoi ils expérimentent de la peine, c'est un autre genre de service. Donc, les rendre libres de la peine, les aider à se libérer de la haine. Ce sont un service subtil que nous devons faire à travers nos acquisitions. Et on donne l'expérience des acquisitions aux autres et ça devrait être notre but. Om Shanti. Je suis un empereur libre de tout ceci. Baba m'allège de toutes les responsabilités. Ai-je remis toutes les responsabilités au Père? Expérimenter constamment Caravana en étant un empereur libre de tout souci. Ai-je remis toutes les responsabilités au Père? Qu'est-ce que le niveau sans souci? La solitude a deux significations, pas seulement la solitude extérieure, mais aussi être absorbé dans la profondeur de l'unique. Autrement, s'il n'y a que la solitude extérieure, vous risquez de tomber et de vous tomber dans l'ennui. Je ne sais pas comment je vais pouvoir passer, aller jusqu'au bout de cette journée. Restez absorbé dans la profondeur du seul Père. Lorsqu'on va au fond de l'océan, on y trouve de nombreux trésors. De la même façon, allez dans la profondeur de l'unique, c'est-à-dire devenez absorbé dans les acquisitions que vous recevez du Père. Om Shanti.